Eh bien bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur WRC 2023. Et oui, déjà un deuxième épisode dans la semaine et je pense qu'on fera deux épisodes par semaine, peut-être voire même trois, tellement je prends du plaisir à jouer au jeu. C'est plutôt rare donc il faut le souligner. J'ai même joué un petit peu en votre absence, j'ai continué un petit peu de me perfectionner, j'ai juste fait deux petites courses. C'était sur cette épreuve-là, c'était deux spéciales. La première s'était plutôt bien passée, la deuxième on a fini dernier. Voilà, on a fait une petite sortie de route, on a pris une vingtaine de secondes de pénalité, c'était un petit peu abusé je trouve, mais bon c'est le règlement fait avec. Et je pense qu'en vidéo on va se concentrer sur les tournois WRC 2 Championship, on fera ça, d'ailleurs on va commencer par ça dans cette vidéo. Et puis comme ça moi je peux jouer un petit peu entre les vidéos sur des petits tournois, des petites invitations ou quoi qui sont pas forcément ultra intéressants pour vous. Et je pense que pour cette carrière on va vraiment se concentrer sur ce Championship. Le but c'est pas forcément de le remporter mais c'est d'être le mieux classé dans ces World Rally WRC 2. Puis ensuite faire les WRC 1 bien évidemment si on y arrive bien. Je suis resté en difficulté 70 parce que finalement, c'est un petit peu compliqué quand même. Allez, on va y aller tout de suite là-dedans. C'est notre semaine 3. Ça prendra 2 semaines entières. On y va. On espère que ça va bien se passer avec notre petit Hyundai. On a même une petite livrée. On en a même plusieurs. Voilà. Mais on a notre propre livrée. Qui est dégueulasse. Qui est dégueulasse, mais on prend. C'est pas grave, on fait avec. Et on y va. Et bienvenue à la Allez, on se retrouve donc pour. L'épreuve 1 sur 7 de ce tournoi, c'est important pour Goblin de remontrer l'étendue de son talent. Et on espère que ça va bien se passer. J'espère que le son sera bon au premier épisode. Ça allait dans l'ensemble. Et je crois qu'on démarre limite de nuit. On y va tout de suite. 8 km 2, ça c'est parfait, c'est ce que je préfère. Allez, on fait pas le checkdown. Nous, on y va directement à l'aveugle. Et ouais, par contre, il fait nuit. Ça va être compliqué. On est toujours avec Roger. Bien évidemment. Et on est 43 pilotes apparemment. Je vais tenir le frein à main. Je suis très mal placé. On va faire un mauvais départ. Je suis très très mal placé dans mon siège. 5, Mais bon, je peux pas lâcher le frein à 4, main. 3, 2, 1. Top. Et c'est parti. Allez, on teste le véhicule. Et du coup, c'est la première fois que je teste le véhicule. Je sais pas ce qu'il donne. Ok, c'est là. Ça a l'air d'être pas mal. Hop là. Wouh! Il glisse pas mal! Il glisse pas mal! On est sur du bitume pour commencer! Et merci de vos retours hein, pour l'épisode 1. Ça fait chaud au cœur de vous voir. Et franchement, le feeling il est tellement bien au volant. Et le leader il nous met, ouais, il nous met à l'amende pour l'instant. Je crois que c'est une boîte. Ah non, c'est une boîte 5. Je pensais que c'était une boîte 6, pardon. Le leader pour l'instant il est bien parti. Mais là l'objectif ouais c'est être dans le top 10, ça serait incroyable, ça serait incroyable. Allez, ça passe bien. J'espère que vous entendez pas trop mon pédalier et mon volant. Et que le son du jeu il est bien. Allez. Ça se passe bien, fais voir la vue intérieure, elle est comment là-dessus? Ok, comme ça. Waouh, on est quoi? Waouh! Bah ouais, c'est ça. Non non, hop, on revient. On regardait la. La vue intérieure de la voiture, t'inquiète pas Roger, on est là. Eh, c'est une très belle voiture en vrai. J'aime beaucoup sa livrée, même si vous ne l'aimez sûrement pas. On a fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez, sur du bitume, c'est là où Pilote Goblin était le meilleur. Et sur la neige, hein. Contre toute attente, il était excellent sur la neige. En 2018, ça date, cette date il y a très très longtemps. Je sais pas où il faut aller. On est là. Je te rappelle donc que je suis au volant, ça s'entend je pense un petit peu. Et en boîte manuelle. Hein. Boîte manuelle. Allez, ça se passe bien. Et la voiture se conduit super bien. On rattrape un peu le leader malgré notre erreur. C'est sur la terre. Non, c'est pas une boîte 6. C'est sur la terre, hein. C'est le plus compliqué quand même. Oh, on est bien revenu malgré l'erreur. Ouais, je kiffe le jeu, c'est un truc de fou. Et je prends du plaisir comme jamais. J'ai pris du plaisir sur un jeu de rallye. Alors, j'ai loupé ma vitesse, ça arrive. Ah, dommage. Allez, on repart. Ouh, excuse-moi, Roger. Ah là là. Ah, la direction a un problème. Aïe 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 aïe. Ça c'est dommage, quelle erreur.
On était tellement bien, on était tellement bien. 350 mètres. Ah, et il y a un petit bug d'écran. J'espère que ça ne verra pas trop la caméra. C'est bon, c'est passé. On était tellement bien. Et d'ailleurs, les courses, les one-shot, hein, donc on ne fait pas recommencer. On triche pas. Quand on se plante, hein, on est... c'est ainsi. Gauche 4, bref, étroit, 80 mètres. Gauche léger, 180 mètres. Doucement, doucement, doucement. C'est pas possible. Ah là là, c'est pas grave, on va revenir. Allez, capot, casse-toi. Bah ouais, mais casse-toi bien. On voit rien. Ciel, 90 mètres. 15 secondes de retard, c'est énorme. Pour ça, là, en 70 de difficulté, c'est quand même pas mal. Finalement. 80 mètres. Après, on n'aurait pas fait les erreurs. On aurait été bien. C'est pas grave, continue. J'ai l'écran qui bug un petit peu. 40 mètres. Fou. C'est pas bien, c'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien ce qu'on fait. Ah, c'est dommage. On avait fait. En vrai, on a été bien mal et puis on a fait n'importe quoi ensuite. Enfin, bah, de la neige, justement, dans la montagne. On s'est laissé déstabiliser, j'ai pas laissé écouter mon copilote Roger. Il est en train de péter un câble hein, dans le casque. Et j'ai l'écran qui bug, hein, je vais relancer le jeu après, je pense. J'ai l'écran qui saute, je sais pas pourquoi. C'est assez déstabilisant. Allez. Allez, on peut quand même se placer bien, je pense. Ouah, ça glisse! Ah oui! Oh, j'ai senti. j'ai senti que je contrôlais plus le véhicule. Ah ouais, c'est super bien géré. Ah ouais, non, mais ça glisse trop. C'est du verglas. Oh, c'est. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. J'ai le volant qui. Bah, que j'ai pas la main mise, comme dans la vraie vie. C'est stylé, c'est stylé. Ok. Gauche 5, 50 mètres. C'est bon, on est sur arrivé. On l'a franchi. Non, c'est là. Sur arrivé. Okay. Bon. Un score de 5 minutes. 6,2. On va y aller tranquillement. Bon, ça a été compliqué. C'est dommage parce qu'on fait une bonne course en soi et. On a fait deux erreurs qui nous ont coûté cher. 2-3 erreurs. Et 18,2 secondes de retard, c'est quand même déjà énorme. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va quand même prendre. J'espère qu'on n'est pas dans les derniers. Hein. Allez, tu aurais eu du mal hein, sur la fin. C'était compliqué. J'ai peur du résultat. 21ème. 21ème sur, je crois, on est 40. Hein. Même pas, si. Même pas à 31. Ah oui. C'est pas ouf, c'est pas ouf. 18 secondes de retard. Bah écoutez, il y a la seconde spéciale. On va y aller tout de suite. Et on espère que ça va quand même mieux se passer. Parce que là, ça a été compliqué. Bon, bah, on y va pour la deuxième course maintenant. On va quand même réparer le véhicule avant tout. Alors, les pneus déjà, on va les changer, forcément. On confirme ça. Au niveau des réparations, je sais pas si on va avoir beaucoup de temps. Non, on va avoir qu'un quart d'heure. Ah ouais, les phares déjà, parce que je crois que c'est de nuit. Donc déjà, je veux des nouveaux phares, quoi qu'il en soit. 5 minutes là, donc on sera à 9 minutes, ouais ça va être compliqué. La direction apparemment elle est bonne, il me semblait que c'était un petit peu cassé mais ok. Et la carrosserie, on a le temps, ça coûte un peu cher mais on a le temps. Et là on va même avoir le temps, et non, pas entièrement. Donc on va, comme ça ça passe, on va valider. Comme ça on repart avec un véhicule plutôt bon. Et du coup on se retrouve pour la spéciale numéro 2, ici au Power Stage Wolf. Ça c'est un signe ça. C'est un signe, le nom de la spéciale. On espère que ça va le faire. On prend un main pour éviter le faux départ. 5, 4, allez, on est encore sur de la neige du coup. Du moins sur du verglas. Maintenant. Hop. 50 mètres. Allez Roger, ça va le faire. Et j'ai encore l'écran qui saute. Hein. Ça c'est fou. Hein. Je sais pas si c'est normal ou quoi. Ça l'avait pas fait à l'épisode numéro 1. Bon, j'espère que ça sera pas trop dérangeant pour vous. Droite, deux, long. Allez, tranquillement. Ouf, tranquillement. Ça glisse. Ouais, le pilote Goblin il aimait bien sur la neige, mais pas sur le verglas comme ça. la sortie, attention. Gauche,
c'est quand même pas mal pour l'instant. Belle ligne droite là, belle ligne droite. Belle ligne droite, ça cache toujours un virage serré derrière. Ouais. Ok. Ouh. Moi j'étais en frein à main, ça l'a fait. Et on est devant le leader pour l'instant. Allez, ralentir, ralentir. Hop. Wow. Le volant qui bouge dans tous les sens. C'est pas évident du tout. Ouais ouais Roger, t'inquiète pas. On va aller te le chercher le podium. T'inquiète pas. Mais au niveau du leader c'est bien pour l'instant. Attention ici. Ça tourne. Et là vaut mieux pas tomber, on a l'air d'être vachement haut dans les montagnes. C'est le ravin ensuite. Ouh. Oh, vous m'excuserez, on va jouer principalement en vue capot. On a 10 secondes d'avance, c'est énorme, ça c'est bien. Moi je vais principalement en vue capot parce que c'est là où je maîtrise le mieux mon véhicule. Et même si ça se voit pas trop. Allez, on a un peu de temps sur le leader, vous savez quoi, on va se mettre un peu comme ça. Enfin, d'ailleurs, on a même le rapport d'indicateur pour passer les rapports. J'ai mal tourné ma phrase, mais vous m'avez compris. J'ose pas accélérer entre les bois là, comme ça, je vois pas. Et on quitte la glace, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir là. Wow, on a déposé le leader. Ah, oh, c'est cool. C'est cool. La course précédente, ça a été compliqué. Tout va bien, tout va bien. Par contre, j'ai l'écran qui se vend souvent, je sais pas pourquoi, c'est quoi ce bug graphique. Bref, attention. Ok. J'espère que vous m'entendez bien, vraiment que le son soit ok. Attention. Wow. Là, le volant, vous devez l'entendre. C'est short, c'est short, ça donne chaud, hein. Ça donne chaud Roger, avec notre combinaison et notre casque là. Ouais bah là on explose le leader. Virage coupé, pénalité. Ah oui il y a des pénalités pour les virages coupés. Ça je savais pas. Ça je savais pas. Après le problème dans les jeux de rallye c'est compliqué à juger la difficulté parce que selon les spéciales les chronos sont un peu aléatoires. Attention. Des fois vous allez faire un mauvais circuit et finalement vous finissez premier. Des fois vous faites un super segment et tout. Puis au final l'IA fait beaucoup mieux. Et là l'IA on la dépose. On va voir, on va faire deux autres courses ensuite. Et on verra une fois de plus si on y arrive trop facilement ou non. Et si c'est trop facile, bah, on montera 75 du coup. Et comme je disais, moi j'ai fait deux autres courses. De mon côté, et puis bah voilà, une fois 21ème sur 34, 31, et une fois dernier, donc là ça se passe plutôt bien. On va pouvoir kiffer un petit peu comme ça. Elle est belle cette voiture, moi j'aime beaucoup. Hein. Ah, vous pouvez la juger dans les commentaires, une petite note. Moi je lui mets un petit 7 sur 10 à cette voiture. Par rapport à ma livrée, moi j'ai pas passé beaucoup de temps à la faire non plus. Droite 5, 70 mètres. Attention. Gauche 5, 80 mètres. Soulage, droite 6, sur bosse, 70 mètres. Gauche 6, ça se passe bien là. Droite 1, long, qui referme. Depuis qu'il n'y a plus le verglas, ça se passe super bien. On a perdu une porte. T'as Roger, t'as les mises où ta porte? C'est incroyable. Droite 6. Ah Roger, il a enlevé les charnières, il a dégagé la porte. C'est pour libérer du poids, c'est astucieux, comme ça on va plus vite. Attention, on fait n'importe quoi, pas les PNJ. Non. Ça c'est faux, je me suis pas réinitialisé, moi je reculais, c'était bon. Allez, un peu de sérieux. Ouais, un peu de sérieux, Roger. Ok, là on est bien. Et on arrive sur l'arrivée. C'est cool, là c'est des spéciales très courtes. J'aime bien moi, j'aime bien. Voilà. Eh bien joué. On va rattraper notre retard de notre spécial numéro 1. Et ça c'est plutôt cool.
et on espère arriver. C'est parfait. Voilà, là c'est arrivé. Oh ouais, là on a déposé l'IA. Écoutez, pour les deux prochaines spéciales, on va se mettre en 75, on va tester. On verra bien comment ça se passe. Voilà. On est content. On est content. 5,56 pour le polonais. Et nous, du coup, on est devant avec, ouais, avec beaucoup d'avance. Ah non, c'était nous. Je sais pas pourquoi ils nous ont marqué Pologne, du coup, j'ai pas compris. Ou alors c'est qu'on est en Pologne, tout simplement. Et malgré la pénalité, voilà, on est bien. Ce qui fait que, au classement, pour l'instant, on est. On est bien parce qu'on prend 25 points. Et on finit haut la main avec une minute d'avance. Hein, ça, c'est cool. Après, on est sur de la WRC2. Hein. Pilote Goblin, c'est un ancien champion de WRC1. Donc, c'est normal qu'il prouve ici et ça se passe plutôt bien. C'est cool, on a même gagné 3 points bonus. Je sais pas à quoi il consistait ces 3 points bonus, mais on les a eus. Et une fois de plus, il y a de la fierté, pardon, pour ce trophée remporté. C'est beau. C'est mérité. C'est mérité sur cette deuxième spéciale qu'on a super bien maîtrisée. Bravo, tu n'aurais pas pu mieux conduire cette semaine. Et les félicitations, hein. Du chef mécano Tyler, j'ai même Flappy hein, qui me félicite par message. Ouais, ça fait plaisir. Alors par contre, 44 000 hein, de réparation, ça c'est logique. Concernant le mécène, bah, on a obtenu ce qu'il voulait, je pense. Donc ils vont être satisfaits. C'était quoi ça? Peugeot constructeur. On n'a pas fait de trucs en Peugeot. Je comprends pas pourquoi ils nous mettent ça. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et du coup, en termes d'argent, bon, je pense qu'on est pas mal. Hein. Bah, écoutez, on va pouvoir directement enchaîner. On va augmenter la difficulté en direct. Voilà, hop, on va se mettre à 75, on va tester comme ça. Et du coup, on y va pour la deuxième semaine de compétition, ici en Suède, pour les deux autres épreuves, ça se passe encore en 2 semaines. On va enchaîner là-dessus, on espère que ça va bien se passer. C'est parti, donc on sera encore dans la neige. Hein. On y retourne avec notre petite Hyundai, bien évidemment, avec notre équipe. Plus tard, je pense qu'on va essayer d'améliorer l'équipe, ça je verrai ça de mon côté. Allez, bienvenue en Suède. Ça va être compliqué, on est donc en 75 de difficulté. 8 km, ça c'est cool. Comme ça, on va pouvoir se faire les deux spéciales. Et ça fera une petite vidéo de 40 minutes, je pense. C'est bien, je trouve que c'est un bon délai. Et on est le 13e pilote à démarrer. Sur 51 pilotes, ça me fera un main avant qu'on se loupe. Et là, il y a plus de pilotes inscrits que la manche 1, j'ai l'impression. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, allume tes phares. On y voit quelque chose. Voilà, ça c'est la neige que j'aime bien là. Parce que là, ça va pas vers glace, c'est pas vers glaçant. Du coup, on glisse quand même moins. Du moins, on a les pneus pour accrocher en toute logique. Accrocher mieux. Et on n'a pas le chrono du leader, on sait pas du tout. Ok. J'ai l'impression qu'on... Ah bah oui, parce que c'est moi le leader en soi. Non, je sais pas. On est le 13e pilote à avoir démarré, donc on devrait avoir un chrono quand même. J'avoue, je connais pas tout le règlement du rallye. Hein, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne connais absolument pas dans les règles et tout. Dans les commentaires, hein, vous êtes le bienvenu pour m'aiguiller si vous y connaissez un minimum. Allez, mon Roger, on est concentré. Ça se passe bien pour l'instant. La voiture elle a dû prendre cher. Ouais, la porte de Roger une fois de plus. Hé hey Roger, arrache-moi ta porte qu'on gagne du poids. Attention, parce qu'on fait n'importe quoi. Ouais, on fait vraiment n'importe quoi alors qu'on était bien parti. On va se reconcentrer. On va se mettre comme ça un petit peu. Avec la pénombre, ça va être mieux. Le tronçon est pas terrible. Hein. On avait bien démarré, mais on a fait n'importe quoi. Une 20. Et l'écran qui saute encore. Ça, je sais pas pourquoi. Hein. Ça commence à être un petit peu embêtant. Ah merde, c'est clair. Bah ouais. 17 secondes. Et ouais, on se déstabilise parce que l'écran il saute. Là, on a une excuse. Ouais. Bah, va falloir se rattraper sur la deuxième spéciale hein, parce que celle-ci, déjà, elle est plus que compromisante. Très clairement, les pénalités sont sévères.
5 sur ciel, reste intérieur. Je trouve, 17 secondes dans la passe, ça vous ruine la course. Hein. 5, bref, sur ciel, 40 mètres. Non, je pense que j'étais en 2 en plus. Oh, décidément. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mon dieu, mon dieu. Allez, la concentration, Roger, je sais, je sais. Ok. Non. 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 On revient, on revient. Je sais pas si on reviendra. On part dessus la truite. Oh là là. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Allez, 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 non, non. On revient, on revient, on veut pas la pénalité, même si on a perdu énormément de temps. Waouh, 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 waouh. Oh, je déçois, je déçois. Moi, j'ai chaud. Hein. Ok. Concentré, les amis, je suis concentré. 3 qui referme sur ciel pour droite 2. En gauche 1, reste intérieur. 60 mètres. On revient. Droite 6, ouvre 40 mètres. Oh là 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 là, il est chaud, il est chaud. Allez, là, ce concentré, il est ok. Mais malheureusement, dans cette spéciale là, on finira dernier. Hein. C'est écrit déjà. Notamment à cause de la pénalité. Pas trop abîmer le véhicule quand même. Oh là là. Cet écran qui fait que de sauter, hein. C'est vraiment déstabilisant à jouer, hein. Je peux vous le dire. Hein. Allez. Ouais, le saut. Oh là 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 là. Ouais. Encore un coup dur supplémentaire. Allez, le capot qui va se barrer, on voit rien. Gauche léger, 3 qui referme, court 30 mètres. Droite léger, ouvre 40 mètres. Sur ciel, 80 mètres. Gauche 4, 2 qui referme, pour de la paille, dans droite sur ciel, 40 mètres. Attention ici, voilà, c'est pas mal. Boss, pour droite 6 sur ciel, extra long, reste intérieur, 60 mètres. Ok. 4, reste intérieur, 40 mètres, droite 5, très long. J'écoute pas les consignes aussi. Ouvre. Pour droite léger, 30 mètres. Gauche 4, ferme. Pour pont, 30 mètres. Croisement, droite équerre. Ok, équerre à droite. 40 mètres, gauche 5, sur arrivée. Ouais, ça c'est une bonne équerre là. Et stop. Voilà. Arrivé, c'est bon. Ok. Un score bon. De 6 minutes. A mon avis, on a 40 secondes de retard sur le premier. Mais écoutez, c'est comme ça. Hein. Et puis on fait en one shot, hein, donc on va accepter ce chrono. Qui, à mon avis, pas terrible du tout. Bah ouais, dernier, 1 minute 4 de retard. Voilà, bon, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, on va y aller pour la deuxième épreuve. Hein. Bon bah on va y aller pour la spéciale suivante, on espère finir mieux quand même. Ouais, tout à l'heure on avait fini pareil, hein, très mal la première et ensuite la deuxième on s'est bien rattrapé, donc là ça va être assez tout droit. On va changer les pneus déjà, même si Ah d'accord, ça a déjà été changé, je sais pas. Non, pas commencé, surtout pas. On va réparer le véhicule avant tout. Oh là là, on n'aura jamais le temps, oh là là.
Les phares, parce que si c'est de nuit, laisse tomber. La direction aussi, hein, faut. Ouais, peut pas. La carrosserie, elle va rester comme elle est. Hein. À moins qu'on fasse ça comme ça. Et ça passe. Ça passe, mais j'espère que c'est pas de nuit, même si on a réparé les phares. On peut regarder les détails de la spéciale aussi. Hein. On aurait peut-être des infos. Ouais, c'était. Ok, ça sera. Bah si, ça va être de nuit, je crois. Sous la neige en plus. 100% de neige. On voit les prochaines épreuves. Hein. Donc tout ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. On y va. On espère mieux réussir quand même parce que. C'est quand même pas ouf. Direct 60 mètres, équerre gauche, bonne chance. Rester comme ça. 5, 4, 3, Ouais, on t'enregistre un 2, peu. 1, top, Allez, c'est 60 parti. mètres. Croisement, gauche, équerre. 30 mètres, droite 4, 50 mètres. Très bien d'avance, Roger. Bah oui, mais tu me dis pas, équerre, Gauche, tout de léger. suite. 5 qui referme, long. 40 mètres. Droite 3, reste intérieur. Pour gauche 6, long qui referme. Ok. C'est pas mal faire un bon début. Et on a toujours pas les chronos du leader. Alors est-ce que parce qu'on avait démarré le championnat leader et du coup bah, pendant les deux spéciales on peut pas savoir? Je sais pas. Mais c'est très perturbant. Ciel, dans gauche 6, frein, pour gauche sur ciel, pour droite 3, 50 mètres. Gauche léger. Je peux vous dire que je vais encore m'entraîner. De mon côté, bien évidemment. Il y a un très bon feeling. Hein. Et là, c'est vrai que sur la neige, sur la glace et tout, au volant, c'est ma première. Hein. C'est ma première au volant sur un terrain glissant, donc faut s'y habituer. Mais il y a des très très bonnes sensations. Hein. Je maintiens là-dessus. Je prends vraiment du plaisir. Allez. Il y a un pilote gobelin, hein. Son surnom c'est Crash, hein. C'est pas pour rien, faut respecter son surnom. Ok. Allez mon Roger, on peut y arriver. Pourquoi je parle? On a évité le pire, on a évité le pire. On a un jump là ici. Non, te renverse pas. C'est dur mais on peut y arriver. Allez là c'est tout droit pendant un petit moment je crois. Oh le spectacle! On est là pour faire le show. Ciel, dans droite 5, 50 mètres. Gauche 4, reste intérieur, 100 mètres. Droite 3, ferme le vent. Doucement. 6, 40 mètres. Ciel, dans droite 5. Sur ciel, 30 mètres. Gauche 1, bref, sur ouais. Ciel, 40 mètres. Mais moi je soupçonne une personne, monsieur Alexis D. Moi je soupçonne qu'il a trafiqué le véhicule. Moi je dis ça comme ça, je dis rien, mais on sait comment il est vicieux, le Alexis D. On sait qu'il est dans les WRC Junior hein, pour l'instant. Et son rêve, bien sûr, c'est d'être dans les WRC 2, puis après WRC classique. Et on sait que il apprécie pas forcément le pilote Gobune. Il apprécie pas les Français tout simplement, notre ami Alexis D. Et là c'est dégueulasse, cette pénalité elle est fausse. Parce que j'ai pas touché, hein. J'ai pas touché. Donc on va se bouger eux sur le côté là. 5 secondes ça picote. Hein. C'est les 5 secondes qui peuvent jouer pour quelques places. En tout cas, il faudra se rattraper hein, sur les prochaines manches. Donc ça sera à mon avis mardi prochain. Je pense qu'on va se faire deux épisodes par semaine le mardi. Et ensuite le samedi, je
je pense que c'est pas mal. Enfin d'avancer. Bon, ce tracé là il est quand même plus simple que le précédent. Ça c'est plutôt cool. Non. Je vois pas Roger. Merci, droite. T'énerve pas Roger, me gueule pas dessus, on est bien. Donne-moi les instructions en temps et en heure, c'est tout ce que je te demande. Et taille mon McDo aussi. Non mais je sais Roger que tu vas au McDo avec Flappy. Et après la voiture, elle prend du poids la voiture. Et après on s'engueule pendant les spéciales. Allez, tout droit 6, ok ça marche, merci. Ah bah on est quasiment meilleurs amis Roger et moi, mais ah là là. Pire qu'un coup, on s'engueule à H24. Excuse-moi, j'ai sauté le rapport, ça c'est ma faute. Et arriver, elle est où? Non! C'est pas possible, allez! Magnifique! Ça c'est magnifique! Le petit 3-6 à la fin! Ah, s'il vous plaît, dites-moi qu'on est au moins dans le top 5. En vrai, on a fait une bonne spéciale pour moi. Après, on est en 75 de difficulté, donc là je me dis que. Déjà, la pénalité 5 secondes, elle risque de faire mal. Ah, j'ai peur. Oh, c'est pas possible. 22 secondes de retard, c'est énorme. Ouais, c'est la douche froide là. C'est la douche froide parce qu'on prendra 0 points de ce classement. Ouais, on est dernier avec 1026 hein, de retard. Ah là là. C'est dur, hein, c'est dur. Regarde un petit peu les premiers. Ouais. Là, on est passé complètement au travers. Hein. Et du coup, au tournoi, bah là, oui, forcément, on prend 0 points. Donc classement général, on aimerait savoir on est combien, on est 3ème au classement général, hein. Le but c'est de gagner ce championnat, on doit le gagner. Et écoutez, on va se quitter là-dessus. Et on se retrouve mardi prochain pour la suite de ce tournoi. J'espère que ça vous aura plu, merci à vous, prenez soin de vous, bye bye.